Bonjour, ceci est un appel à Sa Majesté le Roi. Mes parents et nos grands-parents ont enraciné en nous cet amour pour la monarchie, la fidélité et le dévouement pour la personne de Sa Majesté le Roi. Aujourd'hui, je m'adresse à vous et j'espère que vous saurez donner une réponse à mes doléances. Je suis de père français et de mère marocaine, mais je me sens à 1000% marocaine. Mon père a travaillé dur pour nous offrir un appartement dans Casablanca. L'objectif était qu'au terme de nos études, on puisse venir vivre ici pour travailler dans notre pays. Dans l'attente de la fin de nos études, cet appartement a été mis en location à Monsieur rue Ibn Malik, résidence El Khair, en date du 20 mai 2008. Cela fait 10 années que cette personne occupe cet appartement aujourd'hui, sans paiement de loyer, malgré les nombreuses demandes engagées auprès de toutes les instances judiciaires, y compris le ministère de la Justice. Depuis la date de mai 2012, le loyer dû à ce jour est de 1 million de dirhams. Nous a confirmé textuellement que son oncle exerce au sein du cabinet de Sa Majesté le Roi des fonctions auprès de Votre Majesté. Existe-t-il deux poids et deux mesures dans la justice? Aujourd'hui, ce qui me révolte, c'est de constater qu'effectivement, est injusticiable. Puisque le tribunal a statué que notre appartement aurait un statut de commerce, alors que le bail stipule clairement que c'est pour des fins d'habitation, et que le tribunal de commerce de Casablanca nous a bien confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un lieu de travail. Mon père a aussi été menacé de mort et agressé physiquement par monsieur en lui cassant le poignet, et il s'est déplacé jusqu'à son lieu de résidence pour lui interdire, pour lui demander de retirer ses plaintes. Il l'a aussi terrorisé pour arrêter toutes les démarches judiciaires concernant l'appartement. Ce fait s'est produit en janvier 2014. Il est aussi recherché par la police, il est recherché par les banques pour des contentieux, des chèques impayés, mais aussi pour toutes sortes de trafics. Majesté, vous vous êtes personnellement investi dans le respect des droits de l'homme au Maroc. Où est notre droit? Notre pays, comme vous l'avez toujours souhaité, est régi par des lois, mais je constate que la loi ne protège pas les citoyens honnêtes. Nous implorons votre aide, Majesté, afin de récupérer notre bien et que je puisse m'installer dans mon pays pour m'investir et honorer ma patrie.